Vous regardez ETV. Le trafic de l'aéroport Paul Caraïbes en hausse pour le mois de mai 2019. Avec plus de 160 000 passagers transportés hors transit, l'aéroport a connu une progression de 3,7% par rapport à mai 2018. Plus en détail, le trafic vers l'Amérique du Nord diminue de 9%, en cause la fin des liaisons en direction d'Atlanta. Toutefois, la destination Canada reste très attractive avec plus de 86% de croissance par rapport à mai 2018. Les vols entre Pointe-à-Pitre et la France hexagonale connaissent eux une progression de 8,3% avec plus de 99 000 passagers transportés. Au niveau régional, une baisse de 8,5% a été observée, notamment en raison d'une forte diminution du trafic entre la Guadeloupe et la Martinique impactée par l'offre de transport maritime. Et plus largement dans la Caraïbe, hors Antilles françaises, l'on note une augmentation de 16,9%. Il en résulte que les 5 premiers mois de l'année 2019 enregistrent une augmentation du trafic de 4,2% comparé à l'an dernier, avec un nouveau record d'1 149 000 passagers, transit inclus.